Je vous donne justement lecture de ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer mesdames et messieurs les députés que la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015 est convoquée pour le lundi 9 février 2015 dans l'hémicycle place de la Concertation à partir de 16 h. La cérémonie d'ouverture de la dite session sera retransmise en direct par Télé Sahel et La Voix du Sahel. Le ministre de l'Équipement a effectué hier après-midi dans la commune de Guéchéné, région de Dosso, une mission de suivi des travaux de construction du tronçon Guéchéné-Lokoko, frontière Nigeria. Objectif, constater de visu l'évolution des travaux. Compte rendu, Rachida Nawada et Moro Abdou. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé hier de l'après-midi au ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo et la délégation qui l'accompagne depuis le village de Ludo, un village situé à 17 km de la commune de Guéchéné, par la population avec à sa tête le préfet du département de Tibiri, le maire de Guéchéné et leurs plus proches collaborateurs. Ainsi, la délégation ministérielle s'est directement rendue sur le tronçon Guéchéné-Lokoko frontière Nigeria, long de près de 25 km. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise SNLMTP pour un coût global d'environ 626 millions, toutes taxes comprises. C'est aujourd'hui qu'il avait fini donc l'autre tronçon, que l'entrepreneur a commencé à réellement attaquer le travail à proprement parler, après le débroussaillage qui a été fait. Il n'a pas beaucoup de temps, on lui avait notifié cela et nous pensons qu'on va l'accompagner pour que ce travail se termine avant la saison pluvieuse, Inch'Allah. Donc notre but, en tout cas, c'est de visiter nos différents chantiers et de prendre date sur l'état d'avancement des travaux qui se passent. Le retard accusé, comme il l'avait dit, au lieu de commencer par le tronçon principal, qui est celui-là, il a commencé par le petit tronçon de 6 km que je venais de dire. Mais malheureusement, à ce niveau, il a eu des difficultés pour réaliser un ouvrage où, de par ce qu'on nous a informé, qu'il y avait de l'eau qui sortait donc chaque fois qu'on voulait faire un dalo à la place. Donc on lui a par la suite demandé à ce que cela soit abandonné jusqu'à ce que l'eau de la nappe se retire un peu pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudrait venir voir à quel niveau il se trouve pour l'encourager et pour l'amener aussi à aller très vite sur ce tronçon qui est vraiment attendu. Vous avez vu avec nous l'enthousiasme de la population et cela dénote en tout cas de l'intérêt que porte la population à ces routes rurales que nous sommes en train de faire. Nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de voir et que les petites difficultés inhérentes quand même à tout chantier que nous avons ici au Niger, je pense que nous allons les accompagner pour que les travaux se fassent dans les délais. Au village de Lokoko, le ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo, après avoir transmis les salutations fraternelles du président de la République Issouf Mahamadou et celles du gouvernement, a expliqué le mobile de son déplacement avant de rassurer la population que les travaux seront terminés pour permettre une bonne fluidité de la circulation dans cet axe, combien important pour les usagers de la route. Retournons à Difa pour signaler cette cérémonie officielle de remise de lots de matériel agricole mis à la disposition des communes de la région de Difa. C'était sous la présidence du gouverneur de la région en présence de nos reporters Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Ce lot de matériel agricole que l'État vient de mettre à la disposition des communes de la région de Difa s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'initiative 3N qui vise à insuffler une nouvelle dynamique à la production culturelle dans toutes ses dimensions. Ce don est composé de 174 houazines et ce matériel est destiné à être placé dans la maison du paysan. Comme vous le savez, la maison du paysan, c'est la composante 1 du plan d'accélération de mise en œuvre de l'initiative 3N, qui est un programme pour impulser l'atteinte des résultats rattachés à la stratégie de l'initiative 3N et pour répondre rapidement aux attentes immédiates des populations. La maison du paysan a été conçue dans ce plan. Il fait partie d'une des composantes et voici maintenant, ça fait partie des éléments. Ça fait partie des services et bien qu'il faut placer dans la maison du paysan
pour que les producteurs aient dans l'immédiat les résultats attendus de la mise en œuvre de l'initiative 3N. La cérémonie qui consacre ainsi la remise officielle de ces ouazines aux communes intervenues ce jeudi s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Diffa, M. Yacoub Ousmane Gao, qui en cette heureuse circonstance a rappelé que ce tapis traduit une fois de plus l'engagement des plus hautes autorités nigériennes, avec au premier rang le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à faire de l'autosuffisance alimentaire une véritable réalité partout au Niger. Quant au premier vice-président du conseil régional, M. Gabti Aboukar, il a, au nom des communes bénéficiaires et du sien propre, exprimé toute sa reconnaissance aux autorités de la 7e République pour les multiples efforts qu'elle ne cesse de déployer au profit des populations, avant de donner l'assurance que ce lot de matériel venu à bon nommé et qui sera utilisé à bon escient ira droit aux communes bénéficiaires. Fin vendredi dernier, de la formation des agents de santé sur le transport sécurisé des matières infectieuses, une formation organisée par l'État en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est le ministre de la Santé publique, Manu Agali, qui a présidé cette cérémonie, compte rendu Jocelyne Mousseau. Ce sont les agents de santé en charge de l'expédition des substances infectieuses qui ont reçu cette formation de 2 jours et demi. Il s'agit de leur permettre d'acquérir les connaissances et attitudes requises en matière d'expédition de matières infectieuses. Une formation qui rentre dans le cadre du renforcement de la préparation de la réponse du Niger à la maladie à virus Ebola. Nous avons décidé de former le personnel de santé du niveau central et des différentes régions à l'emballage et à l'expédition d'échantillons potentiellement infectieux. Les agents de l'élevage sont aussi concernés, car, comme vous le savez, nous vivons dans un monde où la santé est devenue globale. One health, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire une seule santé. En parallèle, nous travaillons avec les programmes de les compagnies de transport, notamment les compagnies aériennes, en faisant des simulations d'envoi d'échantillons pour voir s'il y a des difficultés et le résoudre le plus vite possible, le cas échéant. Mesdames, Messieurs, chers participants, je compte ainsi sur votre sens des responsabilités et votre conscience professionnelle pour renouveler systématiquement ce certificat lorsqu'il arrivera à expiration. Pour le représentant du directeur régional de l'OMS, cette formation, sacrée d'une certification valable pour 2 ans, répond aux exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, et de l'Association Internationale du Transport Aérien, IATA, ceci en vue de sécuriser l'espace aérien. Enfin, agenda de la mission de vulgarisation, d'information et de sensibilisation de la loi portant sur les déchets plastiques. D'autres précisions avec nos reporters Mariama Keita et Ali Habou. La mission de vulgarisation, d'information et de sensibilisation de la loi portant sur les déchets plastiques, conduite par la directrice de la salubrité urbaine, le commandant Boukaria Gana, était à Tanout et Magaria, dernière étape du périple. Une loi qui, rappelons-le, votée et promulguée le 5 novembre dernier, porte sur l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Une décision importante pour les autorités départementales, pour qui ces déchets ont des conséquences fâcheuses sur la santé de la population, les animaux et l'environnement. Les déchets plastiques représentent environ 10% de la masse totale des ordures ménagères. N'étant pas dégradables, ils forment un véritable danger pour l'environnement. Les conséquences des emballages en plastique usagés sont nombreuses et diverses sur notre cadre de vie. Ainsi, pour réglementer la gestion de ces déchets, le gouvernement de la 7e République a adopté cette loi qui prévoit, à expliquer le conseil technique du directeur général de l'environnement, le colonel Ishéo Gladima, une période transitoire de 6 mois pour permettre aux opérateurs économiques d'écouler les stocks existants et aux unités productrices la reconversion. Des chapitres et articles de cette loi 2014-63 du 5 novembre 2014 bien expliqués par l'honorable député Maman Nokore et qui a suscité des réactions immédiate de la part des populations relative à majorité à des propositions de large sensibilisation pour un changement de comportement, condition sine qua non pour l'application effective de celle-ci.
Au terme de ce périple, l'honorable député se dit satisfait de cet esprit de la population qui a bien cerné le contenu de cette loi. Je suis vraiment surpris de la réaction de la population et la population a adhéré à la nouvelle loi. Parce que vous avez vu aussi bien les éleveurs que les sédentaires, les gens sont enthousiastes. Quand ils ont entendu que nous allons éliminer ce genre de plastique-là, et c'est ça que nous recherchons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tenus de vulgariser les lois que nous votons à l'Assemblée nationale. Et c'est ça l'objectif de la mission. Lancement à Gaïa de l'opération Habanaye dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 216 ovins ont été remis à 54 femmes vulnérables de 7 quartiers de la commune urbaine de Gaïa, reportage Ousmane Abdou et Habibou Bakou. Cette opération Habanaye qui entre dans le cadre du programme de renaissance initié par le président de la République chef de l'État dans son volet reconstitution du cheptel aux ménages démunis a été financée sur fonds propres de l'État. Ainsi, dans la commune urbaine de Gaïa, 216 ovins dont 162 brebis et 54 béliers ont été remis à 54 femmes de 7 quartiers, Tara, Sokondji, Dandikurey, Carré Plateau, Kouarteji, Tomboberi et Tondihinza. Chaque femme a reçu un kit de 3 brebis et un bélier. Après les mots introductifs du chef de canton de Gaïa, le vice-maire Munkaila Bourayma a expliqué que l'opération Habanaye est un long processus qui va permettre à toutes les femmes des groupements de bénéficier de ces ovins. Il a salué les chefs de village et de quartier qui ont suivi le choix des bénéficiaires. Le secrétaire général du département de Gaïa, M. Modi Magaji, a lui mis l'accent sur l'entretien de ces animaux pour la réussite de l'opération. Il a, au nom des populations, salué cette initiative qui vient contribuer à la lutte contre la pauvreté dans cette zone. M. Modi Magaji a notifié que des opérations similaires se déroulent dans les autres communes du département de Gaïa. Il a salué l'implication des agents de l'élevage pour la réussite de l'opération. Pour comprendre ce processus, suivons les explications du directeur départemental de l'élevage de Gaïa, M. Boubacar Sidibé. Dans le cadre du programme de renaissance du président, de son excellence, M. le président de la République, qui a initié l'opération Habanaye, la commune urbaine de Gaïa a bénéficié de 216 ovins composés de 162 femelles et 54 mâles. Donc le kit est composé de 3 femelles et 1 mâle pour une durée de 2 ans. Au terme de ces 2 ans, les progénitures sont reconstituées et redonnées à d'autres membres du groupement. Le suivi est assuré par le service de l'élevage. Donc, à chaque fois que les bénéficiaires nous sollicitent, en tout cas, nous sommes à leur entière disponibilité. Donc, les naissances, les mortalités, les maladies, tout est à la charge du service de l'élevage. Ces animaux, avant d'être distribués, ont été vaccinés des parasités, en tout cas, et administrés par des complexes vitaminés. Comme c'est Habanaye, donc en cas de perte, l'intéressé doit venir en tout cas signaler auprès du service de l'élevage qui va conseiller, qui va transmettre ça aux autorités compétentes. Un tirage au sort a facilité le choix à travers des numéros des animaux. Ainsi, chaque femme tire les numéros de ces 4 ovins, 3 femelles et 1 mâle. À lancement hier samedi à Zinder d'une campagne SOS en faveur des élèves sinistrés de l'école mission Assomption de Zinder. Cette campagne fait suite aux événements douloureux du 16 janvier 2015 a été lancée par le gouverneur de la région de Zinder. Compte rendu, Ali Habou et Jamila Amadou. Placée sous le thème « Ma récréation pour les élèves sinistrés de la ville de Zinder », cette campagne, initiée par les organisations de la société civile de la place, dont l'ONG ASEC Mungane, avec l'appui des autorités de la région et autres partenaires, s'inscrit dans le cadre du renforcement du lien de solidarité et d'entraide entre les écoliers nigériens de manière générale et ceux de la ville de Zinder en particulier. Dans son intervention, la présidente de l'ONG ASEC Mungane, Mme Daouda Hajia Amina, a rappelé les conséquences des événements tragiques qu'a connu la ville de Zinder avant de remercier les autorités locales pour leur marque de confiance. Des organisations de la société civile, à savoir l'association Matassa,
l'ONG ONE, l'Association des parents d'élèves et étudiants, la section ISN de l'Université de Zender, le CEPRAS et la FISEN, sur l'initiative de l'ONG ASEC Mungane, se sont retrouvés pour examiner la situation et voir dans quelle mesure elles peuvent apporter leur modeste contribution à la réhabilitation immédiate des établissements scolaires calcinés et permettre aux élèves sinistrés de reprendre ilco presto les chemins de l'école. En donnant le coup d'envoi de cette campagne, le gouverneur de la région de Zender a salué cette initiative avant de lancer un appel à toutes les bonnes volontés d'aider ces sinistrés. C'est très soulageant de voir ces réactions-là, après ce que nous avons vu il y a quelques semaines. C'est réjouissant de voir qu'il existe cet élan dans cette ville, qu'il existe cette générosité dans cette ville. C'est que toute la population de Zender vienne réparer ce que certains d'entre nous ont gâté. Il faut également noter que plusieurs animations culturelles ont couronné cette cérémonie. Et cette campagne SOS en faveur des sinistrés durera une semaine et des caisses sont déjà confectionnées et seront placées dans les établissements scolaires ciblés. Les groupements féminins de Torodi s'activent pour réussir l'objectif de rendre salubre la ville de Torodi et instaurer un meilleur cadre de vie. C'était au cours d'une journée de salubrité urbaine. Récit Zachary Maman. Torodi, sous l'encadrement de la direction départementale de l'environnement, a enregistré une forte participation des groupements féminins venus des différents quartiers de la ville. Une grande mobilisation, preuve de leur engagement à lutter contre l'insalubrité, ainsi rendre meilleur leur cadre de vie et se procurer des revenus. Pour atteindre cet objectif noble, deux programmes sont mis en œuvre. D'abord, en termes de déchets, deux types de déchets à évacuer. Nous avons les déchets solides municipaux qu'on appelle les DSM et les déchets plastiques. Donc, c'est pour dire que c'est scindé en deux catégories de déchets. Ces déchets solides municipaux, nous avons des prévisions de 20 000 tonnes à évacuer sur une période qui s'étale sur 4 mois. Nous sommes actuellement à peu près à 16 000 tonnes, soit 80%. Des prévisions. Et pour ce qui est des déchets plastiques, c'est 45 tonnes, et nous avons en termes de prévisions pour évacuer sur les 4 mois du programme, nous sommes actuellement à 16 tonnes, soit un taux de réalisation de 57,78%. Et pour toutes ces activités et pour la période allant de décembre à février, c'est une somme d'environ 21 020 000 francs qui sera injectée et qui va concerner directement les populations les plus vulnérables. Le préfet du département de Torodi, Alassane Alpha Salou, en compagnie du maire de la commune et du directeur départemental de l'environnement, ses collaborateurs ont visité quelques groupes de femmes en vue de leur apporter tout leur encouragement et leur soutien. Le préfet Alassane Alpha Salou, tout comme le maire Djibo Ibrahim, après avoir transmis à ces femmes les salutations du président de la République, chef de l'État, El Hadj Issouf Mahamadou, ont rappelé les objectifs poursuivis à travers les deux programmes qui, ont-ils fait remarquer, rentrent dans le cadre de l'initiative 3N. Pour lesquelles les portes d'entrée sont les communes. Quant aux femmes de Torodi, elles ont demandé au préfet du département d'être leur ambassadeur auprès du chef de l'État pour lui transmettre tous leurs remerciements et leur gratitude pour ses efforts dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations. En prélude à la 36e édition du Sabre national, prévue du 13 au 22 mars prochain à Agadez, les éliminatoires régionales au titre de la région de Zender se déroulent sous la présidence du gouverneur de la région de Zender. Compte rendu, Garba Maman Kabirou et Laouli Babali. Avec à son actif 8 sabres nationaux remportés et plusieurs fois première au classement par équipe, la région de Zender doit se servir de ses résultats comme repère dans le choix de ses ambassadeurs à la 36e édition du sabre national Agadez 2015. En lançant officiellement les éliminatoires régionales ce vendredi à Bakimbriji Tanout, le gouverneur de Zender a tenu à lancer un appel aux encadreurs et aux arbitres de faire preuve de responsabilité pour conduire cette compétition régionale dans le strict respect des règlements et du mérite. Facteur de paix et de cohésion sociale, elle attire des milliers de spectateurs et provoque un enthousiasme rarement égalé dans la société nigérienne, a indiqué le gouverneur de Zender.
Et au regard de sa fonction de régulation et d'intégration sociale, a-t-il poursuivi le gouvernement de la 7e République, au premier chef, le président Issoufou, accorde une importance capitale à ce sport. Aussi, a expliqué qu'Alla Moutari, au seuil de la tenue de la 36e édition, les présentes éliminatoires doivent leur permettre de sélectionner l'élite régionale qui plus est des lutteurs susceptibles de représenter valablement la région aux dites compétitions. Ibrahim Aboubakar de Tanout, son souhait le plus ardent est de voir cette compétition démarrer, se dérouler et s'achever dans un esprit de total fair play avant de demander aux uns et aux autres leur indulgence quant aux imperfections qui pourraient être constatées dans l'organisation. Auparavant, le vice-maire de Wolelewa et le président de la Ligue de lutte traditionnelle de Zender Baladankado se sont réjouis de l'intérêt que les autorités de la 7e République accordent à la lutte avant d'assurer les uns et les autres quant à un succès éclatant au sortir de ces éliminatoires régionales. L'agroupement féminin de Saï s'active également pour réussir l'objectif de rendre la ville de Saï salubre et instaurer un cadre meilleur de vie. C'était au cours d'une journée de salubrité urbaine. Il s'est agi par cette opération de salubrité qui a mobilisé nombreuses femmes de Saï d'apporter une réponse adéquate à cette problématique d'insalubrité par les déchets solides en utilisant la main-d'œuvre locale pour la collecte, le ramassage et l'évacuation des déchets solides municipaux ainsi que les déchets plastiques. Plusieurs espaces dans la commune urbaine de Saï ont été ciblés pour cette journée de salubrité. À Saï, comme dans les autres communes, testent ces deux opérations lancées depuis novembre 2014 se poursuivent normalement à la grande satisfaction de la population qui voit désormais son cadre de vie amélioré et la pauvreté réduite avec notamment le cash for work. En se rendant au niveau des différents lieux où se déroule cette activité de salubrité, le préfet du département de Saï est allé s'enquérir et apprécier la qualité du travail effectué. Occasion donc pour le préfet Amadou Ali de transmettre à ses femmes les salutations et les encouragements des plus hautes autorités avant de signifier toute l'importance de ces opérations qui constituent, a-t-il précisé, une solution durable au problème d'insalubrité dû à la mauvaise gestion des déchets et des espaces urbains. Le préfet du département de Saï a vivement salué cette grande mobilisation des femmes et les encouragé à davantage de mobilisation pour réussir l'objectif prôné par les autorités de la 7e République. Même son de cloche, le maire de la commune urbaine de Saï, M. Oumar Soumaïla, a lui aussi loué l'intérêt qu'accordent ces femmes aux questions de salubrité qui offrent à la population un meilleur cadre de vie. Le directeur départemental de l'environnement de Saï, le commandant Batouré Assoumana, lui, il a mis cette circonstance à profit pour d'abord rappeler le sens et l'objectif des opérations de ramassage des déchets solides municipaux et des déchets plastiques. Il a également présenté la situation à ce jour de la mise en œuvre de ces activités génératrices de revenus dans la commune urbaine de Saï en termes de nombre de bénéficiaires et du montant injecté au profit de la population. Les femmes ont, elles, exprimé toute leur satisfaction et remercié du fond de cœur le chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, et le gouvernement pour ces programmes ont-elles affirmé à travers lesquels elles en tirent grand profit. Je suis avec le maire, président du conseil de ville de Niamey, monsieur Hassan Seydou, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes porteur d'un message. Merci. À l'endroit donc de la population de Niamey. Le 9 février 2015, la ville de Niamey accueille trois événements. La commémoration des événements du 9 février 1990, l'arrivée à Niamey du président de la République du Ghana et l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015. Des événements du 9 février 1990. Il s'agit de la commémoration des événements de la journée du 9 février 1990. À cet effet, j'informe la population de Niamey qu'il s'agit d'une manifestation classique. Par conséquent, la population ne doit pas se mêler à cette manifestation qui ne concerne que les élèves. Le lieu habituel de ces manifestations est le rond-point Kennedy, dit place des martyrs. Compte tenu des travaux de construction de l'échangeur, les dites manifestations interviendront à la place de la concertation. Ainsi, j'en appelle au civisme des élèves et de la population afin que cette manifestation soit le plus pacifique possible compte tenu de la situation d'insécurité qui prévaut. De l'arrivée à Niamey du président de la République du Ghana,
La ville de Niamey accueille le président de la République du Ghana. L'itinéraire du cortège présidentiel partira de l'aéroport Diori Hamani de Niamey pour rejoindre la présidence en passant par le rond-point des armées, le rond-point église, le grand marché, le rond-point Maurey, la place du Bakary en face de l'hôtel de ville, rond-point justice, rond-point hôpital. À cette occasion, j'invite les revendeurs et autres opérateurs économiques à libérer l'itinéraire pour faciliter le passage du cortège. Le troisième point qui concerne l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015, l'ouverture est reportée dans l'après-midi pour éviter tout chevauchement avec les événements ci-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci aussi, Monsieur le maire président du Conseil de ville, d'être venu. La suite de ce journal, les jeunes du Congrès pour la République, CPR Nganchi, ont tenu leur Conseil national de la jeunesse ce matin dans la salle de réunion de l'AFN de Niamey, un conseil au cours duquel Boubacar Ibrahim est élu président de la jeunesse Nganchi, compte rendu Issou Souleyman et Habibou Garba. L'objectif visé à travers le Conseil national de la jeunesse CPR Nganchi est la mise en place d'un bureau des jeunes dynamiques et capables de porter haut les flambeaux du Congrès pour la République CPR Nganchi. C'est ainsi que l'ensemble des délégués ont placé leur confiance en M. Boubacar Ibrahim pour conduire désormais la jeunesse du parti CPR Nganchi. Je voudrais remercier l'ensemble des délégués pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en ma modeste personne. Mes remerciements vont aussi au bureau exécutif provisoire national de notre parti et à notre leader, le camarade Kassou Mokhtar. Je voudrais, en votre nom à tous, marquer une pensée en son nom et lui témoigner de notre soutien dans cette épreuve dont il est contraint. Le Congrès national de la jeunesse Nganchi, fidèle à la ligne du parti contenue dans ses textes fondamentaux, encourage le président de la République, Issoufou Mamadou, dans ses actions de construction dont l'impact se mesure notamment dans les infrastructures et la modernisation des centres urbains. Toutefois, le Congrès pour la République demande au chef de l'État, père de la nation, garant de la cohésion et de l'unité de la République, de prendre toutes les dispositions salutaires pour le triomphe d'un consensus national. Ainsi, apporte son soutien sans réserve à nos forces de défense et de sécurité pour leur sens élevé du devoir allant jusqu'au sacrifice ultime. Le Conseil national de la jeunesse Nganchi met à profit l'occasion pour lancer un appel envers la classe politique nigérienne afin de surseoir à l'extrémisme et à la culture de l'intolérance politique pour ne pas compromettre l'aspiration légitime de toutes les couches, notamment les chances de la jeunesse à vivre dans une nation digne et forte. Un nouveau syndicat vient de voir le jour. Il s'agit du syndicat national des agents de transit SINAT qui s'est manifesté ce matin au siège de l'IDTN, Union démocratique des travailleurs du Niger, à laquelle elle s'est provisoirement affiliée. Compte rendu, Jocelyne Amoussou et Nasser Abdoulaye. Les agents de transit douane ont décidé de marquer d'un saut particulier la naissance de leur syndicat à travers une déclaration de naissance qui situe leurs objectifs. Si l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de transit douane est au cœur des préoccupations, le syndicat s'est beaucoup plus appesanti sur la préservation de l'intégrité du Niger en invitant tous les acteurs à jouer leur partition. Demande au gouvernement l'accélération du processus de la vente de prix modérée des produits de première nécessité et la réduction des taxes par rapport à ceux importés. Exige du ministère des Finances et celui de loi, du travail et de la sécurité sociale d'amener les sociétés de transit au respect pur et simple du code du travail à travers le paiement d'un salaire décent ainsi que des primes et indemnités de stage. Exige du gouvernement de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité tous les moyens nécessaires. Présente aux forces de défense et de sécurité et aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur ses condoléances les plus attristées.
lance un pressant appel à l'ensemble du peuple nigérien à soutenir fortement les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire. Demande à toute la jeunesse nigérienne de se constituer en soldats de la République en vue de faire face aux menaces d'où qu'elles viennent. Exige du gouvernement l'implication pleine et entière des agents de transit dans toutes les prises de décision dans le secteur. Le syndicat national des agents de transit s'est provisoirement affilié à l'UDTN, l'Union démocratique des travailleurs du Niger. Occasion pour le secrétaire général de cette centrale syndicale de prodiguer de sages conseils aux jeunes syndicats. Le syndicalisme ne veut pas dire aller faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je vous invite à respecter tous les lois et règlements en vigueur en République du Niger. Au-delà de ces textes en vigueur dans notre pays, il y a les conventions internationales liées au travail qui ont été ratifiées par notre pays. Il faudrait le respecter. Et au-delà de ça, il faudrait aussi respecter les partenaires pour que les partenaires vous respectent. Le syndicat national des agents de transit attend par ailleurs de l'État l'adoption d'un statut particulier pour les agents de transit.